อันนี้ตามแต่ยิงคำยังไงไงบางไงไม่บุญไม่ตามยิงคำยิงอันนี้ยิงบอทเทอร์หุ่นไอ้กับบ้านซีชโนด้วยกับบ้านใช่ไหมตอนนี้ซีชโนเรามีหนึ่งแมทมูดลาโอเคยังเข้ามาแมทมูดลาไงยิงบ้านใบไม้ตั้งบ้านใบเดลาบุญลายังเข้ามาไงคือมันเมาเธอตั้งผักโหดจังไงถึงแม่ติดตั้งหลงเย่ดาวมาบายโกนไอ้มันบันชกสุดาจ้าเธอพวกหลงเย่ต้องทำงานไปแบบไรยังสบายดูด้วยสบายหมดเครื่องหมดเครื่องมือไปกราวอยากต้องมือไปกราวไหมมือไปหน่อยมีสำหรับเพียจอยแต่ก้นเรียนแบบบ้านเฉลเชียนั่งครับปู่จะจังไอ้คนไทยเลยตอนตั้งกำรงเธอไอ้เนี่ยจะจังการสำคัญเรื่องลอยรู้ไหมอารมณ์ช็อกโกแลตเนี่ยอยากหมดเลยนั่นไอ้ยืนชกซีชโน่เกตั้งยืนก็ไอ้ลุ่ดโดบานตัวตะกี้ตัวมายืนปีหอยไม้ตั้งยืนกับบ้านไอ้เกี่ยวปีหอยไม้ตั้งยืนไอ้ตัวมันBienvenue à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Ici vivent 1,5 million d'habitants sur les 300 km² de la ville, soit la superficie de Marseille, mais en deux fois plus peuplée. Fondée au XVe siècle, Phnom Penh a toujours entretenu de bonnes relations avec la France, qui l'a beaucoup influencée. Suite au génocide des Khmers Rouges au début des années 70, la ville et sa population a dû totalement se reconstruire à partir de 1979, mais lentement. Puis beaucoup plus rapidement dans les années 90. La ville a effectivement connu un boom grâce aux investissements étrangers et les projets immobiliers de plus en plus ambitieux sont encore légion aujourd'hui. Néanmoins, si l'on trouve actuellement des classes sociales à Phnom Penh, ce sont plutôt les plus précaires qui restent largement majoritaires. Ma mère est née ici à Phnom Penh en 1953. Elle y a grandi jusqu'à l'âge de 8 ans, puis a été envoyée en France, tout comme ses 5 frères et sœurs. Leurs parents ne les rejoindront que quelques années plus tard. Dans cette deuxième vie, nom de famille et prénom ont été francisés, leur religion est devenue le catholicisme, ils feront tous leur communion et leur seule et unique langue est devenue le français. Ils sont tous devenus français parfaitement intégrés. Leur enfance au Cambodge a été totalement rayée de leur mémoire depuis bien longtemps et aucun d'entre eux n'y est jamais retourné depuis. Ce film sera l'occasion pour eux 6 de faire un bond en arrière de plus de 55 ans dans le temps et pour nous, leurs 13 enfants, de découvrir nos origines. My name Kim.
is my first daughter, Sreylan, and the last one, Hannah, and my wife, Lane. And my job is a tuk-tuk driver. I work in for tourism near the palace around the riverside, and for my living in the living house, rent room. Yeah, and I live together with my family, and my children study. She study at the 9th grade, and she study in 2nd grade, and she the housewife. Yeah, housewife. I want she study and have a good job in the future. Yeah, she as well. She want to study like English and Khmer. Yeah, she likes to study. Yeah. Oh, like me too. I want to do more job and hard working for my family. Yeah. Ce qui marque le plus en arrivant à Phnom Penh, c'est sa circulation. Le nombre de deux-roues est impressionnant, tout comme le nombre de tuk-tuk. Ensuite, c'est le nombre de marchands ambulants qui étonne. On en trouve des centaines et des centaines répartis dans toute la ville et à toute heure. La clientèle est principalement locale puisque le tourisme n'est pas très massif au Cambodge. Un touriste qui voudra visiter l'Asie ne restera que quelques jours au Cambodge, dont à peine 3 ou 4 jours à Phnom Penh. Les Cambodgiens, aussi appelés Khmer, se suffisent donc quasiment à eux-mêmes. Pour la plupart des habitants, leur maison n'est en aucun cas un lieu de vie et tout se passe donc en extérieur. Parents et enfants mangent ensemble dans la rue et ne rentreront chez eux uniquement pour se laver et dormir. Par conséquent, la vie est beaucoup plus sociale que ce qu'on connaît. Tout le monde connaît tout le monde et l'entraide est quelque chose de naturel ici. Tous travaillent et gagnent de l'argent plus ou moins facilement et plus ou moins rapidement. Mais personne ne se laisse couler par le système et ils se battent tous pour s'en sortir. Oh, le 30 décembre, des ouvriers commencent à installer les préparatifs pour le jour de l'an. Le réveillon du 31 décembre a beau être une fête étrangère pour les Cambodgiens, ils vont la célébrer comme une immense fête. Et encore une fois, dans une fraternité déconcertante et sans le moindre heurt. Thank you.
Hey!
Voilà ce dont rêvent tous les parents pour leurs enfants. Qu'ils aillent à l'école, qu'ils soient éduqués, instruits, sociabilisés et qu'ils apprennent l'anglais le plus tôt possible. Les parents vont effectivement se sacrifier pour inscrire leurs enfants à l'école, car aucune n'est gratuite. Et plus tard, lorsqu'ils auront trouvé un travail et puisqu'il n'y a pas de système de retraite non plus, ce sera à leur tour de s'occuper de leurs parents. De les nourrir s'ils n'ont plus les moyens, de s'occuper d'eux s'ils sont malades ou de les loger s'ils se retrouvent à la rue. À la sortie de l'école, les élèves qui rentrent d'eux-mêmes en vélo ou à pied peuvent partir. Les autres attendent sagement jusqu'à ce que leurs parents arrivent et qu'on les appelle alors. Yeah.
le film de ses hommes. Je me dis tout le monde qui a été. Bên của chị chị bên đồ kia là hai là cho vô chị chị bánh rút bánh rút bánh rút First of all, I would like to say hello. Today I am an acoustic student in year 2 in Royal University of Fania. Well, today it seems like a good weather. As we see, I mean not hot and a bit cool in some of mine. Today I think I'm happy because I can have my friend with sketching and I think it's happy because we have a lot of work to do. I mean it connects to our skill too. The thing is I'm not happy at all is about at the evening I have one exam. It's about sociology. Yes, that's what makes me feel uneasy. Yes, it is about exam. Well, after I graduate, I think I like to go abroad for sharing, or I mean learn more about architect if I can. And on the other hand, I think I can use my skill to develop my own country and finding a new architect style by combining with Cambodian style and modern style together. Yes. Thank you.
xa hay con ba nẹ na nó con xa con 3 nẹ 3 nẹ con hôm nay nu 3000 hay 3000 cho tầm lai ở kia từ chập đi 2005 nhóm vô phi giúp là hô tờ đông giúp nhóm lãng vô mong giúp đông vô giúp là hô đó mong mà tầm bán lúc kịp chom luôn rịp chom lúc phi mong pram mong pram bán rịp chom bán rịp chom hơi bán rịp chom hơi mong pram chúng cá đông ớt tức ai chụp việc phi lô từ bay lô gái phi lô bay lô bà học tin chúng cá nhóm đom màu của mũi màu của phấn màu của mũi màu phờ mà đẹp bình thường bà bạn từ lọc từ tiệc này bà mình ót tôi từ từ này bờ miền đam tôn riêng cùng mình nhóm ai bắt tôn tàu tiền tàu tiền chúng ta phí môn nhóm ốc đáy ồ, phí môn rôn tiền đáy nhóm ốc rôn tiền đáy rồi hỏi nhóm bán nhóm xong lôi xong tạ bán tích hút bán nhóm tình là mỏ giờ lôi cái khlạc và bán nhóm vô máu tình mỏ tình ấy rút bán 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 năng được và rồi ngay mà tôi không chút chơi nên ai chắc cũng xong rồi xong cả ở con tồn trời mà ở tới riêng chúng tôi con mà ngay trai ồ mà mơ tìm mơ chúng tôi nhưng lôi đã chân anh tôi của mán nhưng chân này tôi ở trong phương xa chung bà hãy là trong phương xa mà bây giờ chắc tăng con hay nơi tôi sống nó con nơi riêng nơi sâu con riêng con riêng bay nè con riêng ca kê lưng tôi dân tình này tôi không lưng đó phi mình nói chung cái lãnh tích mình tích đấy tích lưu lưu mộng ồ hoàng ngay nữa chân người ta xong ra nó lưu lưu mộng kia nhà kê ra ra tính mất chạp 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 nhóm hát thiên thả tí còn người bồn bồn nè ai chui cứ chui tới bờ bồn bồn nè mình ai chui còn mình ai tới cứ chung mình yên bật khọc như tí rồi xích tam cùng nắng trực tiếp của chúng nâng bạn và mang nhóm cô và nâng au-delà de leur sourire sincère et de leur joie de vivre inoxydable, se cache tout de même une très forte précarité pour beaucoup d'entre eux. Dire qu'ils sont dans la misère reviendrait à donner beaucoup trop d'importance à la comparaison qu'on peut faire avec nos repères à nous, mais il est vrai que le confort n'est pas leur fort. Ils ont été conditionnés ainsi depuis toujours, et cette vie que l'on pourrait croire misérable n'est ni noire ni rose pour eux. C'est leur vie, la seule vie qu'ils aient connue. Ils continuent d'avancer et sans se préoccuper de comment vivent les autres ailleurs. Comment l'univers est prêt sans toi, ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible. Alors faut pas pleurer, parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas de ceux qui disent que lorsque les tables bougent, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus, on aura tout oublié, comme si ça avait pas existé. En attendant passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends, la honte? Tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends, la tristesse? Tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends, la mort? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même. Tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça c'est fini.
sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour, tu nous entends. Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends. Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends. Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes, y'a un blizzard. Tobé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse, tu sais, que la putain de piment rouge nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard. Bang 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 b
Rosa. Now I'm 25 years old. I have four sister and I have two sister and two brother. And nowadays I work at a shoe store near Sovana Supermarket. And my job is manager at shoe store. Hello, my name is Panope. I'm 21 years old. I have one brother and two sisters. I study at and university. I study law. One day I work 12 hours yeah, per day, and when I leave my work, I come here to dance, and I really love to dance because I want to be a dancer. Yes. After school, I go to dance because I love dance so much. Dance is just I dream. I want to dream a dancer. In 10 years, I want to have a small business. Yeah, my own business. I want to be a businesswoman. So I want to sell something or small business with my sister. Yes, I want to have more money with to feed with my family. Yes. After 10 years, I want to be a lawyer and a dancer. Or two for me. Uptown funk you up.
jump on it. If you sexed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, what a Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. La chute de l'histoire, c'est que les parents de ma mère étaient en fait des Vietnamiens immigrés au Cambodge, avant d'immigrer définitivement en France. Mes origines seraient donc plutôt du Vietnam ou du Cambodge ? Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about.
so. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have.